Le DVD, c'est une émission, le journal télévisé de France 3, suite à un problème, une polémique où France 3 était venu à mon magasin pour éviter la fermeture de nos magasins. Pascal Chevrel n'a pas toujours fait le même métier. Avant d'être inventoriste, il était horloger. Il avait même son propre magasin, un magasin qu'il a dû fermer à cause d'un conflit avec le propriétaire des lieux. Je suis parti comme simple horloger, j'ai tenu une direction de service après-vente d'une maison horlogère, j'ai été gérant d'un magasin, donc avoir après son propre magasin, c'était l'aboutissement. Surtout qu'un artisan, il peut être inscrit comme demandeur d'emploi, mais on ne touche rien, on n'est pas salarié d'une entreprise, donc j'ai eu pendant tout ce temps-là, zéro d'indemnité de Pôle emploi. Artisan et de gauche, les clichés ont parfois la vie dure. Finalement, un CDD lui a ouvert des droits à Pôle emploi. Le salaire de Gwenaëlle, assistante maternelle, a permis à la famille de vivre en attendant. J'étais enceinte de Mélie et puis il fallait. Il y avait. On est touché un peu, quoi, des anesthésiques, mais bon, il n'y avait qu'un salaire qui rentrait, quoi. Donc on a eu une période. C'était une période dure, quoi. Le chômage, donc, voilà, Pascal connaît. Les offres d'emploi qu'on vous envoie et qui ne vous correspondent pas, le CV qu'il faut rédiger, mais qui doit tenir sur une seule page, le chômage, pour lui, ça ne devrait même pas exister. Si on s'organisait autrement, on pourrait diminuer le taux du chômage. Comment? Je pense qu'en diminuant, je reste sur mes 35 heures, mais on pourrait encore aller voir plus bas, et ça pourrait permettre l'embauche ou voir ce que propose, on va dire, le nouveau gouvernement avec le contrat de génération. L'année dernière, Pascal a déniché un nouveau CDD. Un CDD qui lui a ouvert des portes. Il n'est plus horloger, mais ce n'est pas le plus important. Vous l'avez signé quand, votre CDI? Le 1er mai. Réellement le 2 mai, parce que ça a pris en fonction le 2 mai, mais voilà. Donc, pour Donc vous, quelques c'était... jours avant le grand changement.